Ce que Louis XIV demande d'exceptionnel à Versailles, c'est la dimension. Genre un potager qui fait plus de 9 hectares, c'est le seul de son genre en Europe. Et il en demande encore plus à son potager parce qu'il veut en faire un lieu de visite, un lieu exceptionnel, à la fois du point de vue de la qualité des produits, mais aussi du point de vue, on va dire, de sa participation au projet général qu'il a de Versailles, c'est-à-dire la gloire de la France. Alors parmi les choses que nous avons encore qui datent de Louis XIV, on a quelques variétés de poires, quelques variétés de pommes, quelques espèces de fraisiers, un certain nombre d'oignons et de laitues qui sont des variétés de l'époque aussi. Donc les variétés spécifiques du XVIIe siècle qu'on peut encore trouver sur les marchés sont très rares, nous pouvons en trouver ici, c'est-à-dire du Capron, du Bon Chrétien d'hiver, c'est un poirier, de la Calville, c'est un pommier, des pommes, un certain nombre de prunes, le prune monsieur ou la royale ou la Sainte-Catherine sont donc des prunes qu'on peut encore trouver ici au potager du roi mais qu'on ne trouve pas couramment sur les marchés. Des baies rouges, rouges vifs, et c'est en réalité une très belle plante, même si de l'asperge, des baies dans laquelle il y a des petites graines noires. L'histoire du potager, les 300 ans d'histoire du potager fait que ça contribue bien évidemment à avoir une passion puisqu'on fait une continuité de ce que faisaient les jardiniers autrefois. Ça c'est très important. Louis XIV aurait aimé très certainement pouvoir goûter les fruits que l'on fait aujourd'hui, les fruits et les légumes d'ailleurs. Qui ont d'ailleurs changé un petit peu. Il faut savoir que certains fruits au temps de la Quintinie, certains légumes au temps de la Quintinie n'étaient pas du tout les mêmes. Les carottes n'étaient pas jaunes, elles étaient blanches. Les fraises, elles n'étaient pas grosses et rouges, elles étaient toutes petites et blanches. Voilà, vous voyez, il y a des fruits qui ont changé. La tomate n'existait pas, la pomme de terre est venue après. Donc bien évidemment, Louis XIV serait assez heureux de goûter les produits que l'on fait aujourd'hui. Comment il s'appelle cette... Donc ça c'est du Capron royal. Ça y est, des PLG. C'est-à-dire, c'est ça? Oui. On va les couper un petit morceau. Qu'est-ce que c'est? Des radis? C'est incroyable parce qu'on nous la confie aux yeux du public aussi. Et puis on travaille à côté d'une équipe de jardiniers qui est très professionnelle en fait et qui travaille là-dessus sur plusieurs années, toute l'année. Donc c'est vrai que ben, nous, on a d'avoir notre parcelle à nous, c'est assez flatteur. Vous en voulez combien? Thank you.